Alors voilà, l'encre ultramarine, parce qu'un projet comme le nôtre pour l'Odyssée, c'est très important de ne pas mettre le bateau sur les cailloux. Et on a cherché l'encre la plus performante du marché. Alors, on a découvert une encre fantastique qui s'ancre très profond. On voit qu'elle a une forme de charrue, bien sûr, quand elle est dans le sable, on lui tire dessus, elle plante souvent, on ne voit plus du tout la tige ressortir. On a pu la tester à Easter Island, à l'île de Pâques, où il y avait énormément de vent, on n'était pas loin des cailloux, on avait même mis la même juste en amont pour sécuriser. On a vu qu'elle marchait vraiment très bien, alors que c'est qu'une encre de 35 kg pour un bateau, un trimaran de 21 mètres avec un énorme fardage. L'encre ultramarine, elle est aussi performante, aussi bien sûr. Les coraux, on les abîme toujours si on met l'encre dans les coraux, puis c'est du poids qui tombe dedans. Ce qui est important, c'est pas de déraper. Des encres comme ça, où on voit la forme très pointue et lourde à l'avant, tout de suite elle se bloque sous des cailloux, et ce qui nous permet de moins abîmer possible les fonds. Et c'est pour ça que dans notre Odyssée, on cherche toujours avant d'ancrer des fonds avec du sable. Pour l'instant, heureusement, beaucoup de réussite, mais on va aussi toujours plonger derrière pour voir, pour pas prendre de risques avec un bateau comme ça, quand même, qui est un bateau de course et sur un tour du monde, qui est quand même pas facile à gérer. Mais on a vu que vraiment, elle donne 100% satisfaction. Merci, Ultramarine.